Eh bien, on y est, enfin. Enfin. Ce jour tant attendu par tous les pêcheurs, l'ouverture brochée. Bah, du coup, les gars, on se rend sur le spot et puis bah, on espère passer une bonne journée, faire du poisson. Et puis, moi, j'espère que vous passez une bonne ouverture. Moi, du coup, on est un petit peu dans le noir. Voilà, vous nous Let's go. voyez et puis, let's go. Je ne sais pas du tout comment l'animer. Mais je trouve que tu n'as même pas besoin de l'animer en fait. Bon bah les amis, on y est au bord de l'eau. Premier lancer pour le fiston. Donc moi je suis gardé mon rock vibe de fermeture. J'ai fait ma fermeture avec un rock vibe 6 pouces, 6,5 en jaune comme ça. Il est resté sur la canne pendant la période de fermeture et du coup je vais recommencer avec celui-là. On va pas faire de chichi à changer de l'heure. S'ils ont faim, ils vont taper. Bon, du coup, ce que je fais comme animation sur BBZ, c'est que je le fais passer. En fait, les herbiers commencent à remonter. Donc, comme le BBZ, il est en surface quasi, juste en dessous de la couche d'eau. Moi du coup je m'amuse à le faire passer juste en dessous des. Enfin juste au-dessus des herbiers. Du coup bah, si t'en as un qui est calé au cou, il va sentir les vibrations. Ou au pire des cas il va le voir comme l'eau est claire. Et il va taper dessus. Après comme il fait pas bien jour là, quand il va faire un petit peu plus jour, je vais essayer de regarder l'animation vraiment que je peux faire. Du droit de gauche. Donc c'est cool. Ouais. Au bas. Hop. Du coup, comme il a déjà poncé la zone, bah du coup je vais m'approcher. Oh, il y en avait un. Ouais. Hein? Et ouais, il m'a suivi là au bord, un brochet de 50 sur BBZ. Déjà, ils sont réactifs, ils bougent, tant mieux. C'est un gros plus. Si les petits bougent, les gros vont bouger. Je me suis pris une tape. Ah là, je l'ai senti. Rock vibe, il avait rien. Grosse trace de chicot. Il y en a un juste là. Il est venu deux fois.
Mais tu l'as piqué, non? Ah, décroché. Oh, il était beau. 65. Il l'a piqué fin. Oh, ça va être une journée de malade. Ça va être une journée de malade. Vu comment il monte. Vous pouvez même pas savoir à quel point on est coincé pêche au vert, pêche de la truite, on pêche de la truite, on a découvert, c'est vrai que c'est sympa. Oh, Roger. Oh, la riquette encore. T'as une riquette de 40 qui me chope le bébé Z quoi. Oh la riquette. Oh là là, la riquette mon pote. Oh, par contre, lui, il a attaqué méchant. Alors, lui, c'était bien pour se nourrir. Hein. Là, tu... Oh, la riquette de 40, mon pote, qui m'a chopé le VVZ. Le problème, c'est que je m'y attends pas, tu vois. C'est le temps que je retrouve tout doucement l'habitude. Là, j'ai plus trop l'habitude. Là. Oh, il était encore derrière. Il était encore derrière, quoi. Oh, il va reprendre. Ouais, broché. Non, décroché. C'est le petit encore. Ah, oh. Elle sème. Ah là là. Qui vaut. Ouais, les renifleurs sont un petit peu plus présents. Oh la riquette. Oh la riquette. Ah, viens avec l'épuisette s'il te plaît. Oh c'est bon. Oh bon. Il est piqué. Oh il était piqué fin mon pote mais. Petit pike. Ouais, ça tape. Ouais, c'est bon. Un partout. Il est beau. Oh, il est beau. Valide-le-moi, s'il te plaît. Let's go. Un partout. Ça traîne pas, non? Ouverture faite. Ouais. T'as bien fait de venir à tourbière. Et je crois que pour la beauté de la pêche, je vais passer sur une petite grenouille en surface parce qu'ils ont l'air de monter quand même. Hein ?
Ouais. Hop, bon, du coup les gars, on a changé de spot. Même technique. Allez. Par contre, ici, les nénuphars, je trouve qu'ils sont quand même bien avancés. Oh là là. Hop. Sur un malentendu, ça peut donner. Après, ici, il y a plus de fond que la normale. Au final. Je pêche un petit peu ici, normalement il n'y a pas trop de broc, mais comme c'est un point de passage qui rejoint l'étang, sur un malentendu il peut en avoir un. Je préfère essayer. Ah, il n'y a personne au ponton. T'as pris quoi? Ah ouais. Faut que t'apprennes. Mais ouais, mais le problème c'est que à force de changer de leurre, de comme ça, comme ça, comme ça, tu perds énormément de temps. Et tu t'en. Oh! T'as vu? Brochet. Ah, énorme. Là, à mon avis, tu devrais changer de leurre, dépêche-toi et lancer en travers comme ça. Pour moi, tu devrais passer sur un spinner ici. Comme ça. Oui, bah. Ne pas trop m'approcher. Je sais qu'il y en a un souvent ici. Oh, j'ai eu peur. Putain, j'ai cru. Toi, tu t'approches trop vite. Hein. Tu t'approches trop vite. Un peu. Ah bon? Ah bon? Ah bon?
petit chêne. Ouais, on verra. Ah oui, il a une nage unique. Il dit qu'il a une nage unique. Déjà des nénuphars à la surface. Il y a déjà des nénus à la surface. Oh, j'ai eu peur. Putain, j'avais déjà pris une saccade. En fait, je pense que ça a déjà été pêché. Mais après, ce qu'ils en ont fait, c'est à le savoir. Ah, j'en ai pris de beau. Oh, voilà. De 70 et il doit faire 75. Oh, c'est bien. Mais le problème, c'est les vifs, c'est pas les brochets. Les brochets, il y en a. Ouais. Moi, je pêche pas au lancer. Je pêche au vif. Ah, puis là, les vifs. Ah, là, zéro. Il n'y a pas de vifs, là. C'est mort. Alors, je vais repartir sur Bray et faire des vifs. Bray, on y a été à faire un tour. C'est blindé de monde. Ah, dit, on fait mais bon, c'est l'ouverture, c'est normal. Tous les ans, c'est pareil. Hein. Ouais. Ah, bah oui. Hein. Ouais, bon, enfin, c'est comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, merci à vous de même. Du brochet. Beaucoup de brochet. Amusez-vous bien. Merci à vous aussi. Ouais. Je pense que les brochets de 70, ils sont dans le coffre, les gars. Regarde. Ouais, ils sont dans le coffre. On refait un tour. Non. T'as vu comment il tapait fin? C'est bizarre, hein, t'as vu? Ah ouais, il était trop, en fait, il... Il ramenait tout doucement, il mettait des petits coups comme s'il l'embrassait. Ouais. Trop malin. Ah. Il y a encore des beaux brochets à taper. Hein. Et je l'ai pas piqué du tout, je l'ai pas ferré. Je pouvais pas ferrer. Il tapait dedans, mais sans... Ouais. Énorme. Je sais pas. Énorme. Une poutre. Il se casse. Je filme. Ouais. Ah mais en fait il prend mais sur le bout des lèvres. J'ai jamais vu un brochet comme ça. Mais si je le fais, il est mérité. Il va le faire, je vais le faire. Une confiance. Il faut prendre son temps.
pas besoin de lui mettre un gros ferrage dans la gueule alors qu'il... Ouais. Oh, j'en ai un. Je sais pas. Ouais. Ouais. Dépêche-toi. Oh, nickel. J'ai confirmé le rendez-vous. Ouais, c'est un beau broc. Ah, c'est lui. Oui. Oh, let's go. Oh, décrocher dans l'épuisette. GG, ma gueule, juste avant de manger. Ah ouais, c'est clair. Il est plus que mérité parce que vu le stress que j'ai eu. On va aller manger après. Ouais, éviter de finir à la flotte. Attends, je le tends. Un fils de... 81. 81 82 cm. Bon bah les gars, super matinée qui se finit. On clôture cette matinée sur un 82, donc qui est mon record broché. Franchement, je suis super content. 3 mois qu'on attend cette reprise. Et enfin, on touche du brochet. Parce que la fermeture compliquée, 1 mois à faire la fermeture. Compliqué. Que là, ça se débloque enfin. Et ça, c'est magnifique. Du coup, bilan. 2 brochets de fait. Enfin, 3. 2 de 55, approximativement. On n'a pas mesuré. C'était des petits. Et 1 de 82, du coup. Et on a raté pas mal de brocs. J'en décroche 2. T'en décroches combien, toi? 2 aussi. 2, 3. Ouais, on touche quand même pas mal de poissons cette matinée. Vous voyez, les gars, ça veut rien dire. On est arrivé ce matin, on a fait quand même, bon, on a fait 2 brochets, on a touché pas mal de brocs. On a vu que le monde arrivait, du coup, on s'en allait. On revient alors que la zone a été poncée et on touche un 82. Donc cet après-midi, ça vaut le coup d'y retourner un petit peu. On n'a pas fait la zone au fond, hein, puis on n'a pas continué un petit peu plus la zone de Nénu parce que bah, y avait des gens. Mais ça n'a pas été bien poncé, donc on va essayer de ressortir notre épingle du jeu. Allez, c'est parti. Bon bah du coup les gars, pour tout simplement ce midi, ça va être sandwich maison pâté moutarde. Ça va faire du bien. Après une matinée, si je puis dire, mouvementé. Voyez les gars, magnifique. Bon, c'est un assez gros sandwich, mais allez. Et je passe enfin à la barre des 80. Alors, ces petits chips vegan ouais. Sans gluten. Après, des chips hamburger, sauf que vous voyez pas, mais c'est marqué vegan ici. Vegan. Effectivement, ils sont pas taille. Parce que nous, on n'est pas vegan. On mange du pâté, de la viande, du lapin. Si le soleil donne, je mettrais bien un petit truc à palette cet après-midi. Pour cet après-midi, moi, je vais genre rester un sur... petit spinner. Merci de me couper. Ouais. Non, je vais passer sur un BBZ cet après-midi. Encore. Non, mais c'est le leurre vraiment qui marche. Hein? J'ai mis la petite grenouille. Tiens. Ouais.
J'en ai un. Ouais, un gros. Il est gros. Il est gros. Il est gros. C'est un gros. C'est un gros. Oh putain, décroché. Oh putain. Putain. Ah, il est corps. Ouais, avec la. J'enlève bien. Je le garde l'attention. Allez, s'il te plaît. Il y a 5 ma gueule. Hey, il est revenu dessus. T'as vu? C'est quoi qui t'a fait oublier? Décroché. Ouais. 65. Ils sont bleutés, t'as vu? Ouais, ouais. Bah, moi, il était bien. Des vraies attaques comme je les kiffe en surface. Pourtant, on est jour l'ouverture. C'est pas très chaud, mais là sous les nénuphs, franchement la base risquée, elle a fait le taf. Un beau petit bidon là. Un bon petit bidon. Tu nous relâches ça. Tiens-le bien. T'inquiète, je te filme. J'ai besoin de regarder ta cam. On va partir un petit peu plus vite que prévu. Par contre, on dirait plus de calais.